Bonjour Jérémy, Bonjour. c'est un plaisir pour nous de vous recevoir aujourd'hui pour Keeper Spirit, pour cette interview exclusive. Hein. On est très content, on te remercie de nous accueillir. Alors, on va commencer par des questions simples par rapport à toi, par rapport au gardien que tu as été et que tu es encore quand même. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta carrière en quelques mots? Qu'est-ce que tu aurais à dire globalement pour, avec le recul sur les années que tu as passées? Je pense que je suis un privilégié parce que j'ai fait une carrière plus belle que je l'espérais. Je m'en suis donné les moyens aussi. J'ai tout de suite su que j'allais avoir un physique atypique. Et je me suis dit, il va falloir que cette pseudo-faiblesse devienne une force. Donc l'avantage que j'ai eu, c'est que j'ai été conditionné dès mon âge de poussin. J'étais poussin, mais j'avais la taille d'un débutant. J'étais pupille, mais j'avais la taille d'un poussin. J'étais minime, j'avais la taille d'un poussin. J'étais cadet, j'avais la taille d'un poussin. Donc, je me souviens un jour, j'étais gardien de but des moins de 15 ans à Valenciennes. Il y a les gardiens des juniors, tu sais, donc 19 ans, ouais. Qui est blessé. Ce jour-là, il n'y a pas de match. Et on vient me chercher. Déjà, à 15 ans, ça paraissait 12. Et quand je suis arrivé, c'était le match qui était contre Lens. Le Lens qui écrasait tout le monde. J'arrive, quand les mecs de Lens m'ont vu rentrer sur le terrain. Limite, ils se sont dit, mais d'où il sort, lui? C'est pas possible. Mmh. On avait fait 0-0 parce que les mecs m'avaient protégé. J'avais fait un peu le festival sur la ligne. Et là, il y avait un entraîneur à Valenciennes, il s'appelait Otis. Otis Ngoma, merci Otis, hein, c'est parti de toi. Et qui a dit, lui, je le veux en junior. Ne me parlait plus de... Et j'étais moins de 15 ans et j'ai joué en junior. Et après, je suis venu à Saint-Etienne l'année d'après. Mais le fait de jouer avec des gamins beaucoup plus grands que moi, déjà, un, ça m'a donné confiance, ça m'a permis d'évoluer beaucoup plus vite. Et après, je suis arrivé dans le monde pro, pas par hasard, parce que j'ai beaucoup travaillé, mais toujours avec ce doute en me disant « Ouais, mais ça passera pas, il était tout petit. » Et moi, ça a été une force. Et des fois, les gens me disent « Ouais, mais Jérémy, si on n'avait pas été aussi critique avec toi, bah je pense que j'aurais peut-être pas fait carrière parce que, comme à chaque fois, ils m'ont bousculé, ils m'ont poussé dans mes retranchements, je suis allé chercher une motivation qui est devenue ma force. Quoi. Et mes périodes où j'étais installé dans un pseudo-confort, parce que quand tu es sportif de haut niveau, tu n'es jamais dans un confort, c'est peut-être là où j'étais le moins bon. D'accord. Donc tu es meilleur quand tu es au pied du mur? On va dire ouais, voilà, quand t'es critiqué, quand les gens quand doutent. J'avais des choses à prouver, je me créais moi-même des matchs. Aujourd'hui, je prendrais que des matchs de suspension. J'arrivais à l'extérieur, je faisais un bras au public, je me faisais insulter. J'adorais ça, mais après, par contre, je voyais qu'eux, ils aimaient ça aussi. Oui, c'était par exemple, à Nice, tu vois, à Nice, j'avais ma chanson, j'ai montré mes fesses. Il y a une photo sur Internet qui circule où c'est très explicite, tu vois. Mais je me créais un match. Je me disais, vous allez voir. Puis un jour, il y a la boulette, bien sûr, où sur une tête de Koné, je me déchire, il y a but. Je me fais pourrir tout le match. Après, l'année d'après, je refais un gros match. Et si tu veux, j'avais besoin de me sentir en danger pour être performant. D'accord, donc on peut dire que ta principale qualité que tu as eue dans ta carrière, c'est plutôt mental, en fait. C'est une capacité à se mettre en condition lorsque tu es critiqué. J'ai eu la chance d'avoir Jeanne Edes. Et surtout, je pense que j'ai tout de suite été conscient de mes forces et de mes faiblesses. Je ne me suis jamais pris pour un autre. J'ai toujours su le gardien que j'étais. J'ai toujours su le gardien que je n'allais pas devenir. Mais je me suis dit, vaut mieux que tu sois bon 90% du temps en faisant une grosse erreur de temps en temps. C'est vrai que j'ai fait des grosses erreurs. Mais comparé à tous les matchs où j'essayais d'être performant le mieux possible, la balance, elle est largement positive. Après, comme j'ai joué plus de 420 matchs en pro, le mec qui a des réticences contre moi, en disant que j'ai fait 10% de mauvais matchs, il peut aujourd'hui citer 42 matchs où j'étais mauvais. Il a été mauvais là, 42. Ok, mais je suis même prêt à les citer avec lui. Mais il ne faut pas oublier les 340 ou les 350 derrière. Et ce qui m'a fait un peu plus sur ma fin de carrière, c'est que on voyait que mes défauts, on voyait plus mes qualités. Je gagnais un contre un, on disait ouais, il est sorti dans les pieds.
Je sortais un arrêt réflexe, ah mais on lui a mis sur lui. Tu vois, c'était... Mais quand j'y réfléchis bien, je me dis aussi, à un moment donné, j'étais aussi un peu le chouchou des médias, où quand je sortais un arrêt banal, on en faisait un exploit. Tu vois, donc il faut savoir accepter que des fois, ben, tu as le revers de la médaille, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Quand je vois le souvenir que les gens ont de moi, d'un bon gardien, d'un mec sympa, il y a plus à plaindre. D'accord. Juste une question simple, hein, elle est toute bête. Pourquoi gardien de but ? Je suis né gardien de but. J'ai ça en moi, c'est dans mon sang. Je suis né gardien de but. J'ai tout le temps fait gardien de but. J'ai horreur de jouer dans le champ, même ici à mon soccer. Je suis gardien de but. Pour moi, me prendre une frappe à bout portant, c'est jouissif. Je suis gardien de but. Je plongeais dans la boue, être fatigué après des spécifiques. Prendre la frappe dans l'oreille en hiver qui pendant 10 secondes tu te dis mais je suis où, je suis gardien de but, je suis né gardien de but, je suis pas footballeur moi, je suis gardien de but, c'est comme ça. C'est inscrit dans ton ADN quoi. Voilà exactement, je connais tous les gardiens jusqu'en CFA, quand je regarde un match, et je suis coach aujourd'hui, tu vois, j'entraîne pour passer mes diplômes et tout, et hier je me suis surpris, je regarde que mon gardien. Je le regarde, je suis là, je suis avec mes jeunes, tu vois, mais voilà, moi ce que je veux c'est entraîner les gardiens, quoi. Je suis un gardien de but et des fois tu sais pas pourquoi tu es là ou pourquoi on t'a amené à faire ça, mais j'ai toujours aimé, même au soir de la pire boulette, même au moment toi, où les critiques elles étaient les plus fortes, j'adorais ce que je faisais. J'étais gardien de but, je me disais, attends, t'es fils, petit-fils, arrière-petit-fils d'ouvrier, tu vas pas nous casser les couilles parce que tu t'es fait attaquer sur RMC ou dans l'équipe. Et après, moi, par contre, j'en jouais. Je me disais, tiens, soyons cons avec les cons et sympas avec les sympas. Et moi, je me faisais plaisir. De toute façon, ça n'enlève rien. Mais ça me mettait une pression supplémentaire qui allait me servir pour être performant le week-end. Tu vois, c'était. Mais après, quand tu t'exposes beaucoup, quand tu réponds aux médias, tu perds énormément d'énergie. Pour ça, aujourd'hui, je ne le conseillerais pas à des gardiens. Si on vous attaque, laissez passer. De toute façon, la semaine prochaine, ils vont s'en attaquer à un autre, puis après un autre. Puis voilà, faut passer outre. Ouais, de la part des médias, il y a quand même une très grosse méconnaissance du poste. D'ailleurs, nous, on plus soit quand même l'arrivée. Un consultant comme vous avez parlé, comme Landreau, parce que là, nous en tant que gardien, ça nous fait de la peine, certaines, on va dire, critiques ou analyses de situations qui sont totalement erronées. Il y a une vraie méconnaissance du poste de la part de beaucoup de consultants, même joueurs de champ, qui ont une méconnaissance du poste. Aujourd'hui, vous vous rendez compte, donc je passe mes diplômes à la Ligue Rhône-Alpes avec M. Lacrasse, qui est un formateur reconnu, qui est tout ça, et qui m'a parlé. L'éventuelle mise en place d'un diplôme d'entraîneur de gardien au niveau régional, qui serait pour l'instant peut-être à titre expérimental. Ce mec qui travaille la DTN, qui fait du tableau noir, qui est super et tout, qui ose me dire ça serait bien qu'on ait un avis technique parce qu'on n'a peut-être pas cette sensibilité gardien, qui est l'humilité de te dire ça. Tu te rends compte quand même que le mec, il est quand même au top, il a tous les diplômes d'entraîneur que tu peux avoir. Et le mec te dit que sur certains trucs au poste de gardien, c'est compliqué. Alors, tu vois la particularité du poste. D'ailleurs, pourquoi on a créé, ça fait 20 ans qu'il y a des entraîneurs spécifiques de gardien. Il n'y a pas ça à un autre poste. Parce que c'est un poste à part, c'est un poste compliqué. Moi, il y a des buts qu'on m'a reprochés, je ne pouvais rien faire. Ou à l'inverse, il y a des buts où on disait... Il y est pour rien, alors que je le savais qu'il était à 95% pour moi. Parce qu'il y a une méconnaissance du poste. Et aujourd'hui, j'entends... Tu sais, quand tu dis un gardien, il sort pas. T'as tout le temps raison. C'est comme quand tu dis, hey, mais il manque un 10. Il manque un 10 à cette équipe. S'ils avaient Zizou ou Zlatan, ça irait bien. Bah oui. Tu mets Zlatan à Istres, ils vont... Tu vois, c'est normal. Et quand tu dis, ah mais il sort pas. Il n'y a plus un gardien qui sort. Ça fait 10 ans, les statistiques... Les sorties de gardien de but, c'est 1,3, 1,4 sorties par match. Tu vois, sortie aérienne. C'est fait, ça n'existe pas un gardien qui prend 10 corners.
J'ai joué contre Bernard Lama, qui était, tu vois, non, ça n'existe pas. Et c'est, si tu veux, c'est dans la méconnaissance du football. Aujourd'hui, aujourd'hui les mecs ils frappent à 100 km/h les coups de pied arrêtés. T'as vu la distance hein, d'un centre? T'as quoi? T'as un centième de seconde pour réagir. Tu joues ton match sur un centième de seconde. Que ce soit sur une frappe ou un centre, les gens ils n'arrivent pas. Et à tous les niveaux. Hein. Moi j'entraîne des U19, mais les mecs ils frappent comme des hommes. Et cette méconnaissance du poste, c'est pour ça que l'arrivée de Mickaël Landreau, ça va faire du bien. On a aussi des fois Gaëtan Lehar ou Eli Bob, tu vois, qui ont fait aussi du bon boulot. Mais ça va faire du bien que quelqu'un qui connaît le poste sur le bout des doigts puisse parler de choses qui vraiment nous concernent. Parce que c'est vrai que des fois, ça nous fait mal. Quand t'es gardien à la télé, t'as ton collègue qui se fait critiquer injustement. Tu dis, parce que t'as été à sa place, tu vois. Tu dis, putain, les... Après, attention aussi, hein, y a critique et critique. Hein. On sait aussi qu'il y a tout un jeu derrière de mecs qui font exprès de critiquer parce que voilà, y a des connivences à droite à gauche, tu vois. Donc, on n'est pas dupes non plus. Hein. Des fois, quand tu sais d'où ça vient, ça ne marche pas trop. Alors, Jérémy, tu as joué très longtemps à Saint-Étienne, ton club de cœur, ton club, le club qui va avec ta carrière, le club auquel on pense lorsqu'on pense à toi. Qu'est-ce que tu penses actuellement, c'est-à-dire en 2014, fin 2014, des Verts de Saint-Etienne, de ce qu'ils ont fait ces dernières années, de leur équipe et des objectifs qui peuvent être les leurs pour la saison en cours? Ils sont sur une progression constante, avec une stabilité. À tous les niveaux, le club possède des structures et des infrastructures pour être dans le top 5. Une direction compétente. Un staff technique au top, des joueurs recrutés intelligemment et qui progressent. On a un Saint-Etienne qui s'inscrit dans la durée, à l'image de Stéphane Ruffier, à l'image de Fabien Lemoine, à l'image de Bayassal, de Loïc Perrin, des joueurs qui, bon, Loïc il a été formé ici, mais qui sont arrivés déjà à un bon niveau et qui progressent encore de saison en saison. Donc c'est important. Et un public derrière qui fait que ce club, hors incident industriel, tu peux pas savoir quoi, a aujourd'hui amorcé un virage dans sa progression et je les vois monter au fur et à mesure en puissance d'année en année. Quoi. Parce qu'il y a une intelligence économique, il y a aussi un esprit fédérateur autour de tous les locaux, tous les partenaires locaux de la région. Donc extrêmement confiant de. Extrêmement confiance. Après, bon, je ne veux pas leur porter la poisse non plus, mais il y a vraiment tout pour réussir. D'accord. Il n'y a qu'à voir ce que tu portes. On sait que tu es un grand fan de sport de combat, de tatouage. Quand on te suit, quand on te connaît, on sait que tu adores ça. Est-ce que tu as déjà fait cette relation avec les sports de combat en étant gardien de but? C'est-à-dire que combattant, quand il monte sur le ring ou dans la cage, il va avec une force, une conviction, une envie de vaincre. Est-ce que c'est cette envie de vaincre qui est inhérente aux combattants, est-ce que tu l'as déjà ressenti? Est-ce que t'en es déjà servi? Alors, lors d'un match ou si tu veux, moi, alors les arts martiaux au niveau physique, ils m'ont rien apporté, mais c'est au niveau mental. Je veux dire que j'ai tout de suite compris avec les arts martiaux que pour être performant dans son domaine, il fallait maîtriser la technique. Parce que les arts martiaux pouvaient être comme ça, avoir des muscles comme vous voulez. Si t'as pas la technique, ça marche pas. Et le poste de gardien, c'est pareil. Si t'as pas une bonne technique, une bonne base, si t'as pas des bonnes mains, si t'as pas le bon déplacement, tu vas passer à la trappe. J'ai compris grâce au sport de combat. J'y suis baigné. Je me suis baigné tôt. J'habitais à côté d'un dojo. Je me rendais tout le temps. Il y avait beaucoup de boxe thaïlandaise, donc je m'entraînais avec eux. Et les mecs, ils basaient tout sur la technique. Et j'ai été voir l'entraîneur, j'ai dit ouais, mais pourquoi vous frappez pas fort? Je lui avais dit comme Jean-Claude Van Damme. Donc je l'avais fait rire, il m'a dit gamin, c'est la technique. C'est la technique, il fait parce que peut-être tu vas mettre un gros coup, mais moi je vais te toucher 3-4 fois. Et puis je me suis dit putain, par rapport. Et je me souviens, moi je me dis putain, je suis tout le temps en concurrence avec des grands, ils ont des planches à la place des mains, ils repoussent, tu vois.
Je me suis dit, bah, je vais essayer de garder les ballons, la technique. Alors au début, ça n'allait pas. Puis après, voilà, le plongeon de côté, maîtrisé. Et j'ai eu la chance, mais vraiment, d'avoir Jeannot Dez comme entraîneur de gardien, qui lui était mais fixé sur la technique, à répéter les choses. Mais j'ai fait des exercices, mais à casser les plots, quoi. J'en pouvais plus, j'en avais marre, tu vois. Les pas chassés, les pas escrimeurs, des reculs freins, des... Mais après, par contre, quand cette situation va se présenter une ou deux fois en match, je l'avais tellement répété à l'entraînement. Il me disait, Jérémy, c'est comme un pianiste. Plus il va répéter ses gammes, plus il va faire le truc instinctivement, en regardant à gauche, à droite, en l'air, il va toujours. Et toi, ça va être pareil en match. Plus tu vas le répéter à l'entraînement. Et ce qu'il aimait bien, c'était me mettre sous pression, c'est-à-dire me fatiguer, un peu de pompe, des abdos, du saut, et après faire l'exercice technique. Parce que lui, il partait du principe que si tu réalisais le bon geste en n'étant pas forcément lucide ou fatigué, le jour du match, avec la concentration, ça devrait plus facilement être réalisable. Et il avait le vrai. Moi, aujourd'hui, je vais entraîner les gardiens comme Jeannot m'a entraîné, avec peut-être des idées en plus, mais de toute façon, modestement, il m'a formé moi, il a formé Grégory Coupé. Voilà, il a aussi formé plein de bons gardiens, Jesse Moulin, Florent Perrault, tu vois, Florent Guillot, André Zut, des mecs qui ont une base technique hallucinante, quoi. Et c'est ça que les arts martiaux m'ont apporté, c'est le fait de maîtriser les fondamentaux. Tu vois, Georges Saint-Pierre a dit, au bout de 100 000 heures d'entraînement, t'es un débutant. Tu vois, 100 000 heures plus tard, t'es un maître. T'imagines, tu vois, t'es seulement un débutant. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, quand tu commences le foot juste à 15 ans, t'es toujours un débutant. Mais si les gamins, tu les prends, ce qui manque aujourd'hui dans les petits clubs, je vois aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai des petits gardiens intéressants qui n'ont pas fait de spécifique de 7 à 15 ans. Tu vois, ils arrivent, donc ils ont des qualités athlétiques et tout, mais ouais, tu les vois mettre les mains, tu vois, ça prend des balles comme ça encore. Alors le fait de leur expliquer, comme moi j'aime ça, ça me dérange pas, mais je perds du temps. Je me dis, putain, si on leur avait fait travailler comme ça, peut-être qu'aujourd'hui, ils seraient peut-être dans des centres de formation. Je pense qu'il y a un travail à faire et qu'on a un peu délaissé, un peu la pré-formation. On s'est beaucoup occupé de la formation des gardiens. Au niveau professionnel et spécifique, ça existe depuis longtemps. Mais je pense qu'on a un peu laissé de côté la pré-formation. Oui, est-ce que le problème, c'est pas que le gardien de but le considère un peu comme un joueur de champ et donc on se dit c'est pas si important, il se débrouillera, voilà. Mais pour moi aujourd'hui, maintenant, je pense qu'il y a un truc qui fait mal, c'est le Barça. Le Barça a une philosophie de jeu, ça repart, ça joue et tout, et on voudrait que le gardien soit un joueur à part entière et tout. Moi, je veux que mon gardien il m'arrête mes frappes et qu'il soit décisif. Si en plus il a un bon jeu au pied, parfait. Mais moi, à ce moment-là, on n'a qu'à mettre un numéro 10 dans le but. Tu vois? Mais non. On appelle ça un gardien de but. Il est là pour arrêter les frappes. Si ton mec, il fait des drops magnifiques ou des relances à l'opposé top, mais à chaque tir cadré, il y a but, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour moi, tu aurais été un plus. Moi, le jeu au pied, je me suis souvent fait engueuler par mes entraîneurs. Mais je préfère envoyer une bonne tatane devant, envoyer le ballon à 70 mètres, voilà. Je leur disais, moi je suis gardien de but, je suis pas numéro 10. Alors, je dis pas que j'ai la science infuse, mais voilà, je préfère que de temps en temps, ça m'empêchait pas de relancer ou de sentir le truc. Mais dès que j'estimais qu'il y avait un petit danger, je dégageais. Et aujourd'hui, alors, faut savoir, on veut des mecs qui prennent tous les corners, qui soient le premier relanceur, faut des surhommes, quoi. Et il y en a un, c'est Manuel Neuer, il n'y a pas de problème. Mais tu peux pas avoir un Manuel Neuer dans un club de CFA ou dans un club de CFA 2 ou quoi. Des fois, il faut savoir s'adapter aux qualités de ton gardien et pas le dénaturer. Si ton gardien il est fort sur sa ligne, bah, tu t'adaptes. Si tu as un gardien qui est à l'aise dans les airs, tu t'adaptes. Tu adaptes ta défense, tu fais jouer plus haut. Mais c'est pas d'essayer de prendre quelqu'un et de le formater à ton idée. Tu vois, c'est un peu ça le problème. On peut des gardiens super à l'aise. Non, moi aujourd'hui, le gardien qui joue avec moi à Villars, c'est celui qui est le meilleur dans le but.
c'est tout. Ça me servira à quoi d'avoir un gardien qui relance super bien? C'est un plus, c'est indéniable. C'est peut-être ce qui va faire la différence entre deux gardiens en sélection. Ils sont niveau égal, mais comme lui a une meilleure relance, là on le met. Mais tu mets pas d'abord, tu vas pas dire je mets lui parce qu'il a une meilleure relance, et après je verrai s'il est meilleur que l'autre dans le but. Tu vois? Faut pas se tromper de choix. Quoi. Mais c'est une option le jeu au pied. Bon, pour moi, ouais. C'est une option. C'est pas une condition sine qua non au choix d'un gardien. C'est une option. C'est une arme en plus. Je préfère qu'il ait des bons réflexes et une bonne prise de balle. D'accord. Bon, on va embrayer sur quand même la question de l'évolution du poste. L'évolution du poste, bon, il y avait le jeu au pied. Hein. Maintenant, le gardien, dans le football moderne, hein, de toute façon, hein, si on dit on veut des noyeurs partout, hein, je reprends tes propos. Un autre dictat, enfin une autre chose aussi que les gens dont parlent, c'est surtout la taille. Alors ça c'est vraiment, là on est plein dans le sujet. Ouais. La taille maintenant c'est des grands gardiens. Faut des grands gardiens, faut des grands gardiens longilignes, un peu. C'est un effet de mode, tu penses. Voilà, parce qu'ils préfèrent former des gardiens moins techniques et grands, sachant qu'ils vont pouvoir faire quelque chose ou les façonner, qu'un gardien qui est petit, qui est technique, mais qui ne pourra pas grandir si il est petit. Voilà, qui ne peut pas grandir si. Alors Dieu merci, il y a eu la dernière Coupe du Monde. Alors même si le meilleur gardien du monde, pour moi, c'est Neuer. Il faudrait être un fou pour... Il n'y a pas de problème. Il fait 1m95, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que c'est pas ma sensibilité que je vais dénigrer un grand gardien. Mais ce que j'aime pas dans ces ayatollahs des grands gardiens, ils veulent pas reconnaître que celui qui a fait une super Coupe du Monde, c'est Enyama. 1m80. Tu vois ce que je veux dire? Il fait pas 2m, Enyama. C'est l'année dernière. Qui c'est qui a vu la saison qu'il a fait en Ligue 1? Extraordinaire. Si tu veux, et l'ADN du gardien de but français, c'est pas moi qui l'ai inventé. Le meilleur gardien français de tous les temps, c'est Fabien Barthez. 1m83, plus proche du 1m80 quand même. Après, Bernard Lama, 1m83. Mickaël Landreau, le gardien qui a fait le plus de matchs en Ligue 1. 1m84, tu vois. Quand tu as été champion d'Europe, c'était qui Joël Bat. Alors, va me dire, c'est un football d'un autre temps. Donc, quand les arguments sont en faveur des petits gardiens, c'est parce que c'est un truc, c'est un football d'autre temps et tout. Mais moi, j'ai envie de dire que la France, quand elle avait un gardien d'un mètre 90, elle n'a jamais rien gagné. Si je veux être aussi radical que les autres, tu vois. Ou citez-moi un gardien d'un mètre 95 qui a marqué l'histoire de France dans les buts. Il n'y en a pas. C'est Barthez, c'est Coupé, c'est Lama, c'est Bats. Tous ces gardiens-là, tu vois, qui... Jean-Luc Ettori, qui mesurait comme moi. C'est pas moi, c'est notre ADN. On n'a pas dénaturé notre ADN. L'ADN du gardien de but français, c'est un gardien de taille moyenne, explosif, tonique. C'est son ADN, c'est son histoire. Après, si on veut le dénaturer et faire une école allemande, pas de problème, on n'est pas sûr du résultat. Comme les Allemands, leur ADN, c'est des grands gardiens, Oliver Kahn, Neuer. Quel est l'intérêt à eux de basculer pour avoir des gardiens comme nous? Non. Ayons notre propre personnalité et formons les gardiens qu'on a. Je sais pas, moi, dans l'histoire, c'est ce qui a marché. Quand on avait Fabien Barthez, on se posait pas la question. Il allait les prendre, les ballons. Il les faisait, les arrêts. Pourquoi on veut changer? On a voulu changer quelque chose qui marche. Pourquoi? Grégory Coupé, 7 titres avec Lyon. 80. Bon, costaud, tanké, mais c'est pas moi, hein. Je cite des chiffres. C'est comme ça, c'est notre ADN. Les Anglais, eux, c'est pas pareil. Ils disent je veux bien qu'il y a des ballons dans les 6 mètres, faut sortir et tout. Ils ont pas de réflexe, les mecs. Mais sans être méchant, hein, tu vois, c'est. On me dit, ouais, on prend des grands gardiens parce qu'il y a une bataille aérienne. Mais c'est le championnat, il y a le plus de buts en dehors de la surface. Pourtant, ils sont supposés avoir plus d'envergure. Tu vois? Chaque pièce, on est. Navas, les gardiens sud-américains, Ochoa, gardien fantastique. On aime ou on n'aime pas. Mais les statistiques prouvent le nombre d'arrêts qu'il fait, son pourcentage d'arrêts. Il fait pas de 2 mètres. Et pourtant, moi, qui ai une sensibilité pour les grands, pour les petits gardiens, ça m'empêche pas de dire que le meilleur, c'est Neuer. Le plus grand, 1m95, un Golgoth.
Et parce que c'est comment dirais-je, c'est le physique de jeu allemand. Tu vois, l'Espagne, ils ont été champions. Je l'ai oublié, Casillas. Le mec, il a tout gagné. Valdés, le Barça, 83. Casillas, le Barça, ils peuvent acheter tous les gardiens du monde. Ça fait 15 ans, ils gardent Valdés. Pourtant, ils peuvent acheter n'importe qui. Pourquoi ? Et moi, si tu veux, j'arrive pas. Putain, c'est ce qui m'a fait super mal au cœur hier. C'est Philippe Montagnier, putain, avec qui j'ai joué, qui est un coach super, qui dit au Canal Football Club, ouais, je mesure 1m78, je pense qu'aujourd'hui, on peut plus voir de gardien d'1m78. Putain, j'avais envie de dire, putain, mais pas toi. Putain, merde. Si toi, tu t'y mets, on est mort, quoi. Putain, mais et pourquoi ? Et pourquoi on n'en reverrait pas un ? Alors, c'est sûr, t'as qu'aussi, c'est une bestia, c'est un super gardien. Mais... putain, ça m'a fait mal au cœur, tu vois. Putain, merde, si toi tu commences à dire ça, on va pas s'en sortir, quoi. Moi, je m'en fous. Moi, demain, si mon meilleur gardien il fait 1m95, tu vas le mettre. Tu vois ? Et si celui qui fait 1m75, je vais le mettre. Moi, tant qu'il me rapporte des points. Ce qu'il me disait Antonetti. Moi, je veux pas te... Un gardien, ça se mesure pas à son nombre de centimètres, ça se mesure au nombre de points qu'il me rapporte ou qu'il me fait perdre. Tu vois ? Donc, parce qu'il était... Tu vois, c'est ça. Il ne s'est pas posé la question. Et par contre, comme il savait que j'étais à l'aise en 1 contre 1 et tout, il faisait jouer la défense très très haut pour que j'ai... de l'espace pour aller les chercher, et que si des fois eh ben, ça partait dans le dos, il savait que mon jeu c'était d'aller les gagner dans les pieds. Il jouait sur mes qualités. Pareil avec Eli Bob, les coachs qui m'ont fait confiance. Mais je me dis que faut pas construire de combat. Si on a un top gardien d'1m90, ah ok, pas de problème. Mais c'est pas parce qu'on va avoir un gardien d'1m80 qu'il faut tout de suite le condamner. Moi, un truc pendant ma carrière, c'est ce qu'on me reprochait avant mes premiers matchs en pro. 400 matchs plus tard, il y avait encore des mecs en disant « Mais non, ça marche pas. Ça marche pas. J'étais pro 18 ans, j'ai joué 420 matchs. Il faut quoi de plus ? Faut que j'en refasse 840. Et à partir de combien ça marche ? Tu vois ? Mais parce que y a des buts que j'ai pris. C'était pas ma taille, c'est parce que j'étais pas concentré et que j'ai fait l'erreur technique. Que même si j'ai mesuré 2 mètres, voilà. Et j'ai fait des arrêts, c'est pas parce que j'étais petit tonique et tout, c'est juste parce que j'ai réalisé le bon geste au bon moment et que des fois, un bon placement, ça vaut n'importe quel envergure. Alors, toujours dans l'évolution du poste de gardien de but, ce qui évolue pas mal depuis maintenant de nombreuses années, c'est les ballons. Les trajectoires des ballons, les façons dont on les joue et aussi dont ils sont conçus. Est-ce que ça a une réelle incidence sur le jeu des gardiens ? Est-ce que c'est une réelle conséquence ? Et de quel type est-elle ? Alors, moi souvent quand je parlais des équipementiers, c'est que quand ils font des ballons, c'est des ballons en fait, c'est vrai qu'ils sont nickel si toutes les conditions pour jouer au football sont réunies. Sauf que t'arrives sur des terrains, ils arrosent la pelouse. Il y a du vent. Et les ballons n'ont pas toujours les mêmes réponses suivant la caractéristique du terrain sur lequel tu joues. Tu joues sur un terrain hyper arrosé, ce ballon ne va pas avoir la même réponse que sur un terrain sec. La couleur aussi. C'est tout con. L'hiver, on passe à des ballons jaunes. Donc, je reçois les ballons, je m'entraîne avec et tout. Mon premier match, c'est à Lens. Stade Bollard. Sang et or. Dès que le ballon est passé vers la tribune, du Cop Lançois, j'avais un petit... parce qu'un ballon jaune, qui passe, tu vois, c'est des tout petits détails. Mais c'est qui te fout dans l'air, puis ça flotte tellement maintenant. Bah, tu te fais plus chier, tu boxes. On dit, ouais, mais les gardiens, ils gardent pas les ballons. C'est pas qu'on veut pas, mais c'est qu'on peut pas. Tu changes. Et au moment où tu t'adaptes au ballon, en fin de saison, il change l'année d'après. Et avec des caractéristiques différentes. Voilà, moi il m'arrivait des ballons, puis des fois les ramasseurs de balles ils te donnent des ballons. Alors celui du match il est bien gonflé et tout ça.
même si en Ligue 1 c'est, ou en Ligue 2, mais des fois il te donne un autre ballon, il est un peu dégonflé. Des fois tu fais des 6 mètres, tu traverses presque le terrain. Avant je me souviens quand il y avait au début, tu faisais un 6 mètres au milieu de terrain, tu te disais ah, c'est bon, j'ai visé le milieu, tu vois. Maintenant tu poses le 6 mètres, tu vois tes joueurs, limite ils sont là presque à 18 mètres adverses. J'hallucine des fois quand je vois les 6 mètres des gardiens maintenant. Ça part comme. Tu vois, c'est les ballons, ils sont faits un peu pour nous mettre dans la difficulté, pour qu'il y ait du spectacle, pour qu'il y ait des frappes de loin. Avant quand. Ce qui m'embête le plus dedans, c'est que. Avant, quand un mec te mettait une frappe de 30 mètres, c'était sa qualité. C'était parce qu'il avait quelque chose en plus que les autres. Aujourd'hui, sans être méchant, n'importe quel gars de 65 kilos, il peut te mettre une cacahuète dans la lucarne, inarrêtable, avec ses ballons. Alors qu'avant, il fallait des Franck Sauzé, des Bruno Ngoti, tu vois, ou des Laurent Robert, qui avaient des frappes monumentales. Comme il y en a, ils avaient une détente, bah, eux, ils avaient une frappe. Aujourd'hui, c'est ça qui me dérange. C'est comme si nous, on avait des gants, dès que tu le touches, ils restent collés. Tu vois, on dirait, oh, mais attends, c'est. Tu vois, même si, tu vois, dès que le ballon, tu l'effleures, boum, ça reste collé. On dirait, ouais, mais attends, on avantage les gardiens. Bah, c'est le même truc, mais à l'inverse, on avantage les joueurs et on se pose pas la question. Par contre, quand nous on passe pour des cons, parce que la frappe elle floque, tu la prends là, tu passes entre les jambes, là tout le monde rigole. Mais c'est assez paradoxal parce que tu dis que les ballons maintenant faut plus les boxer parce qu'ils sont plus durs à capter, les trajectoires sont compliquées, ça varie, c'est flottant. Et pourtant, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est pile maintenant qu'on demande aux gardiens de beaucoup sortir, d'aller gober les ballons en l'air, d'aller les capter, vraiment les garder sur soi. Est-ce que c'est pas incohérent qu'on demande aux gardiens de mieux conserver le ballon et d'aller sur les ballons à une période où justement les trajectoires sont beaucoup plus dures à lire? Si tu veux, c'est le problème, c'est qu'on veut à chaque fois transposer le très très haut niveau et on se dit il faut faire à monsieur tout le monde, tu vois. Mais il y a une différence entre un bon gardien de Ligue 1 comme moi et un, attention, je m'enflamme, tu vois, et un international. Il y a un fossé, tu vois. Le mec, il est international. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose en plus encore, tu vois. Et donc, il y a un peu ce cahier des charges, tu vois. Faut sortir, faut bloquer, faut relancer correct. Mais quand t'es sous pression, t'as 40 000, puis t'es critiqué, puis t'es pas bien. Parce que il y a un truc aussi, quand tu joues 38 matchs dans l'année, t'es pas 38 matchs au top. Des fois, tu joues, t'as le doigt, il est en strap, tu sais pas comment le plier. La veille de match, t'as pris une béquille, tu joues, t'as des emplâtres et tout. Il y a tout un tas de facteurs qui font, des fois, tu prends pas de risque. Les mecs, ils disent ça, mais pourquoi il ne l'a pas gardé? Si on pouvait la garder, on l'aurait fait. Hein. Mais faut pas prendre de risque. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand tu prends des risques et que tu passes au travers, bah, tu vas faire la une. Les mecs vont te remettre en cause facilement. Donc tu te dis, bah, je sens des fois, il y a des gardiens, ils jouent pour pas perdre leur place. Tu vois. Alors que il faut agir. Parce que à partir du moment où tu subis, à un moment donné, ça va arriver. Tu vois. Et je sens, tu vois, pas, comme je te dis, eux ils remplissent le truc, c'est bon, j'ai boxé mon ballon, j'ai fait mes deux arrêts. C'est bon, aujourd'hui je m'en sors. Tu vois. Parce qu'il y a tellement de pression que les mecs ils vont à l'essentiel, quoi. Et ils tentent plus des trucs. Tu vois, Enyama. Moi ce que j'adore chez Enyama, c'est qu'il prend beaucoup de risques. En Coupe du Monde, quand il se trouve, c'est contre la France d'ailleurs, tu vois. Il a fait un match extraordinaire et tout. Et il a été tenté une sortie à une main. Alors tout le monde a vu l'erreur. Mais moi dans ma tête, je dis putain, ce mec-là quand même. Il a eu l'audace d'y aller quand même. C'était risqué en Coupe du Monde, il y allait. Il a tenté un truc. Ça s'est retourné contre lui, malheureusement. Mais voilà, j'adore ces gardiens-là. Quoi. Mais après, je peux comprendre aussi, quand t'es critiqué, quand t'en prends plein la tête et tout, que limite tes supporters ils sont contre toi, que le soir tu dis, bon allez, quoi qu'il arrive, je prends pas de risque. Parce que quand je vois ce que les gardiens ils ramassent, entre les ralentis, les critiques, les interprétations, voilà, c'est. Aujourd'hui, c'est vraiment. C'était déjà le poste le plus difficile. C'est le plus beau des postes, mais c'est le poste le plus difficile. Mais voilà, c'est comme. C'est,
parler charcuterie avec un plombier, quoi, des fois, à un moment donné. Le mec, il connaît rien, mais il va dire, oh, attention, il faut couper comme ça. Tu vois, c'est ça qui me... j'extrapole, j'imagine, tu vois, mais des fois, je... Ou des fois, quand je suis à mon soccer, qui a des buts, que je regarde le match, j'entends les réflexions. Oh, quel nulard, ce gardien. Je suis comme ça, tu vois, mais je dis, bon, je peux pas, tu vois. Tant pis, t'es obligé, parce que les gens ne connaissent pas le poisson. De toute façon, c'est de tout temps. Il n'y a qu'un gardien qui peut comprendre un autre gardien. C'est vraiment un poste à part. Quand c'est arrivé le truc de Stéphane Ruffier, là, parce qu'on est dans l'actualité et tout. Enfin, j'étais dans mon salon. On aurait dit que ça m'était arrivé, tu vois. Tu dis, putain. Tu sais, c'est un millième de seconde, quoi. Tu vois, en plus, la balle, elle est juste derrière la ligne, tu vois. C'est pas. Tous les gardiens avaient mal ce jour-là. Mais tu vois, même nous qui sommes de. Bah, ceux qui nous connaissent savent qu'on est natifs de la région parisienne, on est des fervents supporters du PSG. Mais moi, on avait mal, ça, on ça avait mal fait, quand même. Ça m'a fait de la peine. Mais parce que c'est les gardiens. C'est un gardien que j'adore. Hein, quand t'es un gardien, jamais, tu peux jamais te réjouir. Voilà. Même quand j'étais en concurrence avec un mec, je lui ai jamais souhaité, ou même de se blesser ou quoi, tu vois, parce que je savais que le poste était tellement dur que je me dis, de toute façon, tu vas avoir ta chance, c'est pas un problème du tout. On nous demande tellement que franchement, il faut être costaud. Il faut vraiment être très très fort. Les gens, un joueur, tu peux te planquer. Hein. Planquer, il est plus fort, 60e, tu vois. J'ai mal. Bah, tu peux pas. Hein. Tu peux pas. Hein. Puis tu sais que t'es scruté. Tu sais que tu fais une erreur en début de match, tu l'auras en tête, tu la revivras dans ta tête pendant tout le match, mais tu devras faire avec, tu devras être performant. Ah, encore ça va, tu fais une erreur en début. Mais maintenant, le problème, c'est que ça repasse en boucle, t'as les télés, t'as les réseaux sociaux. Oui, tu n'oublies pas comme ça du jour au lendemain, c'est sûr. Faut vraiment être solide. Alors, Jérémy, question simple, est-ce que t'as déjà eu des idoles à qui tu t'es identifié et... Des idoles, tout simplement. Quand j'étais jeune, forcément, Pascal Olmeta. J'ai eu la chance en plus qu'il soit mon agent de ma carrière avec Jean-Marie Cantona. Je l'ai super bien conseillé. Je l'adorais. Je l'ai fêlé. Et voilà, je me régalais quand je le voyais. Mon premier derby en 96. En 95, j'étais sur le banc. Grégory Coupé se fait mal au biceps. Donc c'est Gilbert Ceccarelli qui joue. J'ai 17 ans, j'ai pas encore 18 ans. Et Pascal, tu vois, il est à Lyon, donc je sais déjà l'importance du derby et tout. J'ai des frissons pour parler, tu vois. Et cette sensation que j'ai eue, tu sais, de voir le mec qui m'a fait rêver. Toi, t'es sur le banc, tu touches ton rêve. Tu dis, putain, j'y suis là, tu vois. C'est quoi, c'est un truc de malade parce que tu bosses. Depuis l'âge de 5 ans, tu bosses pour ça. Greg se blesse, on vient me chercher. Il me dit, demain, il faut que tu sois à Lyon. Je dis, mais pourquoi faire? Et Greg, je joue. Il me dit, non, tu joues pas. Il me dit, il y a Gilbert et tout. Et là, tu arrives et je vois Pascal, tu vois, dans le couloir. Là, je dis, je vais le voir, je veux pas le voir. Tout. Je veux le voir. Et après, je suis désolé. Je dis, putain, je veux le voir. Et là, je lui serre la main, je lui dis, j'ai attendu ça toute ma vie. Je serre la main. Lui, il se dit, mais il me fait quoi, lui, tu vois? Après, je le vois, il arrive, un bras d'honneur. Stéphanois. Et en fait, je l'ai regardé tout le match. Puis là, il sortit un coup franc de Lubeau, m'a arraché dans la lucarne. Et à la fin, il y avait Despérou. Je fais, c'est toi qui avais tant d'espoir ensemble, tu vois? Je fais, Pascal, c'est pas moi, je vais prendre le maillot. On va vous le mettre, tu vois. Il m'avait ramené, tu vois. J'étais comme ça, tu vois. Ça, c'est... Il y avait ça et Bernard Lama, tu vois. Bernard Lama, quand j'étais à Lens, quand j'aurais aimé être à Lens, hein, malheureusement, à cause d'un coach, ça s'est pas fait, mais j'allais voir les entraînements à Lens, et Bernard Lama, tu vois, s'entraînait sans les gants et tout. Et j'avais dit à ma mère, je sais pas, on avait fait un tournoi et tout. J'avais dit, tu verras, un jour je jouerai contre lui. Tu vois. Et ma carrière, le début, tout ça. Et PSG, le Saint-Etienne PSG.
Bernard Lama. Je fais des drops avant le match. Pareil qu'avec Pascal, quoi. Ce truc. Mais putain, le plus beau jour de ma vie, quoi. Tu vois. Ça, je fais des drops avec Bernard Lama sur Geoffroy Guichard. Et à la fin, lui, tu sais, c'était à l'époque où on savait pas, ou à la Coupe du Monde 98, s'il allait jouer ou si c'était Barthez, tu vois. On fait 1-1. À la fin, je lui prends le maillot. Et je me souviens parce qu'il y avait Téléfoot qui disait ouais, super geste de Bernard Lama. Et moi, je montrais le maillot à ma mère. Je dis maman, j'ai le maillot. On aurait dit, hein. Tu sais, quand t'es un ramasseur de balles qui vient prendre le maillot à Bernard. Et les deux trucs là, tu vois, ce que j'ai vécu, c'est indescriptible ce que j'ai vécu le jour où. Où je vois Pascal, tu vois, je, en vrai comme ça, et Bernard Lama, putain, c'était. Il n'y avait rien de plus beau. Après, j'ai toujours aimé les gardiens, tu vois. Tout, un truc tout con, à Valenciennes, il y avait Ludovic Batelli. Un tout petit gardien, comme moi, un ressort. T'as vu les balles que tu jetais là? Tu vois? Pareil, il arrêtait tout. C'est une légende vivante, hein. Tu vas à Valenciennes, tu parles de Ludovic Batelli. Tous les anciens, ils savent qu'il a la DTL, d'ailleurs. Un gardien exceptionnel, tu vois. J'allais le voir en spécifique. Je me souviens d'une histoire parce que je lui avais gratté ses gants. J'avais gratté ses gants des sports rouges, tu sais, à l'intérieur rouge, tu vois. Je les avais ramenés. Il y avait un petit talus, ça où les gants. Je dis, ouais, c'est Ludovic Batelli qui nous a donné. Elle me dit, non, tu les as volés. Je dis, mais non, je lui dis. Et elle m'a ramené au stade. Elle a été. Et il a dit, non, c'est bon, je lui ai donné les gants et tout. J'ai dit, ouais, là, je vais prendre une trempe devant tout le monde. Tu sais, c'est. Je pense que ça, c'est des anecdotes, tu vois, parce que attention, j'ai une disquette, hein, j'ai une carte mémoire 128 gigas, je peux te raconter. Pire que celle d'appareil. Pire que l'appareil, je peux te raconter mille et une. Mais les trucs avec Pascal, tu vois. Tu sais, quand t'es gamin, il a mis les maillots avec le ballon et tout, il était rentré. Il a mis des coups de tête sur la barre et tout, j'avais les cheveux longs comme lui, tu sais. Et je suis gardien de la réserve, on vient me chercher vite fait comme ça. Et j'arrive à Lyon, oh, j'étais. Là, je me suis dit, écoute, jusqu'à ce moment-là, j'avais l'ambition d'être pro, tu sais, mais j'avais pas touché le truc, tu vois. Je l'avais pas. Et là, arrivé au derby et voir Pascal comme ça. Et après, c'est devenu mon agent. Seul truc, c'est jouer à Lyon, quoi, tu vois. Ah ouais, là. Tu vois, voilà, je peux. L'antagonisme. Voilà, tu vois, c'est. J'étais déjà marqué vert, moi, tu vois. Mais quel gardien. C'est vraiment un. Surtout la personnalité, tu vois. Je pense que pour être gardien, il faut avoir de la personnalité. Il faut être à part. Il faut avoir du charisme. Les gardiens, tout le monde dit les gardiens sont fous, mais je crois quelque part, c'est vrai. Il faut être fou pour endosser toutes les responsabilités qu'on endosse. Et c'est pour ça. C'est pour ça que je pense que c'est un critère fondamental pour être un bon gardien. Il ne faut pas croire, hein, même Neuer, parce que ce qu'il fait avec l'Algérie, c'est sorti en dehors de la surface. Il en a fait 8 ou 10. Il faut être cinglé. Il y en a combien qui auraient dit je ne vais pas prendre un rouge en quart de finale parce que je ne jouerai pas la demi ou la finale derrière, franchement. C'est en 8e, je crois. Mais t'imagines, les mecs, c'était un truc de fou. Il a joué le libéro. Il a joué. C'est le mec. Voilà. Mais ça revient à ce qu'on disait sur Wanyama tout à l'heure. C'est le gars, il a eu l'audace de tenter quelque chose, de faire quelque chose qui se fait pas normalement. Mais parce qu'il le sentait. Je pense que tous les gardiens, s'il y a un truc qu'il faut leur dire, il faut agir et pas subir. Allez-y. De toute façon, la boulette, elle va venir. La boulette, vous allez la faire. On en a tous fait, vous allez la faire. Donc prenez des risques. Il faut prendre des risques. Il faut tenter la sortie. Il faut. Parce que de toute façon, à un moment donné, tu vas te retrouver livré à toi-même. Et si, des fois, il vaut mieux essayer de régler le problème un peu plus haut, parce qu'il y a une solution pour le régler, que tenter de le résoudre sur ta ligne, et là, t'es cuit. Il y a qu'un. Voilà. Mais après, il y a ce truc aussi de la double, triple peine, tu vois. Tu sors dans les pieds, tu le fauches. Toi, tu joues le ballon parce que tu le vois bien. Bon, après, si tu mets les deux pieds sur la poitrine, ok. Toi, tu sors, tu regardes le ballon. Le mec te triple, c'est vrai, tu le touches. Mais attends, c'est pas avec ton avant-bras que tu vas casser un tibia. Tu vois, c'est au contraire, c'est lui, s'il te marche dessus, qui va te le casser. Et là, il y a faute. Le mec, il est là-bas. Carton rouge. Tu pénalises ton équipe.
t'as quasiment le match perdu et le match d'après tu joues pas. Ça c'est trop, et je pense que ça incite pas les mecs à prendre des risques. C'est dommage. Donc on a parlé des grands gardiens, des idoles, ceux qui t'ont inspiré. Alors on va te demander ton avis sur les gardiens actuels. Qu'est-ce que tu penses? T'en as parlé précédemment, mais on va encore reparler. Neuer, sommairement, t'en penses quoi? C'est le meilleur actuellement. Je veux dire, solidité, efficacité, simplicité. Un peu à ce qu'était Andreas Köpke. En un bien plus grand. Le duel Casillas-Navas au Real Madrid. Qu'en penses-tu? Casillas. Mais après... Il y a une phrase de Michael Landreau qui dit « À partir du moment où on recrute un autre numéro 1, c'est que votre numéro 1, il ne l'est déjà plus. Il n'y a pas de numéro 1 ou numéro 1 bis. C'est la meilleure façon de déstabiliser les deux gardiens. Il faut un numéro 1 et un numéro 2. Le 2 peut devenir numéro 1. De toute façon, moi, c'est le numéro 1 qui perd sa place. C'est jamais le numéro 2 qui la gagne. Tu es numéro 1, tu perds ta place. Et le numéro 2, il la prend. Mais à partir du moment où... Parce que les mecs, ils vont être décortiqués, tu auras les pro Casillas, les pro Navas, donc à un moment donné, voilà. Mais moi, Casillas, déjà pour tout ce qu'il a fait, t'as gagné je sais pas combien de titres et tout. Et tu sens que tu le mets plus en confiance. Tu veux le déstabiliser. Ou alors, et les couilles, débarrasse-toi-en. Mais pour moi, c'est un titan, je veux. Il n'y en a pas beaucoup qui peuvent avoir une statue. Lui, il peut en avoir une. Encore maintenant, malgré les saisons difficiles qu'il a eues, passage sur le banc, la Coupe du Monde, tu penses qu'il a encore la capacité de rebondir? Après, est-ce que lui, il a la niaque? Ça, je peux pas répondre. Tu vois. Ça je peux pas y répondre. Ouais. Mais tu peux pas passer de là à là sans qu'il y ait des raisons extérieures. Et je pense que le fait de mettre en compétition... Voilà, parce qu'aujourd'hui, t'avais Diego Lopez, c'est le meilleur moyen de perdre deux gardiens d'en mettre deux en concurrence, quoi, tu vois. Résultat, tu vas te créer des problèmes plus qu'autre chose. Donc le Real, dans ce cas, continue dans une politique avec ses gardiens qui n'est pas cohérente. Ah, t'as gagné plein de titres avec Casillas, qu'est-ce que tu veux changer vers le Barça, parce que bon, Valdés s'est pété le genou, mais sinon, ils allaient garder leur gardien, puis t'as Mitterrand. Buffon, Sirigu, en Italie. Alors je trouve que c'est une super transition parce que bon, Buffon, l'un des meilleurs gardiens de tous les temps. La classe, l'efficacité, le charisme aussi. C'est un mec qui a été vexé. À un moment donné, certains propos, il s'est fait opérer du tout, il a perdu 9 kilos. Vous avez vu comment il a affûté maintenant? Il est plus affûté que quand il était au top, par orgueil. Et c'est quelqu'un qui a l'intelligence de petit à petit laisser prendre la place de son successeur, Sirigu, qui a tout, qui est dans le même moule, dans le même format, qui est un gardien ultra efficace. J'étais sceptique à son arrivée, je le connaissais pas, donc voilà, j'aimais bien Nicolas Duchesne, mais force est de constater, putain, le mec il est super fort. Efficace dans son registre et tout, intelligent, le mec au bout de 2 mois il parle mieux français que nous. Tu vois, super, tu vois. Voilà, l'intelligence du grand gardien Buffon qui laisse petit à petit Sirigu aller la classe tout simplement, à l'image de sa carrière et de ce qu'il est. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure que c'est le gardien numéro 1 qui perd sa place et pas le numéro 2 qui la récupère. Ça veut dire que selon toi, sur ce schéma-là, c'est Buffon qui perd pas sa place mais qui la laisse, qui cède sa place parce qu'il a l'intelligence de... Il est vieux, il prépare l'avenir, il a déjà tout gagné. Il n'a pas besoin de s'accrocher pour exister, tu vois. Je trouve qu'il en sent encore plus grandi. Oh, il a l'élégance de penser l'élégance, l'intérêt de la squadra et voilà, se dire voilà. Il pense à l'équipe au lieu de penser à lui. Hein. D'accord. Un peu dans le même genre, la réponse sera sensiblement la même que celle sur Casillas Navas. Courtois, Cech. Moi, je pense pareil. Deux gardiens qui sont faits dans le même moule. De top gardien, moi j'ai joué contre Petr Cech, c'est un titan pareil. Et voilà, il est vieux, il a tout gagné. Courtois, c'est l'avenir, c'est cohérent hein, ce que fait Mourinho. Là, c'est un super gardien, tu vois. Et je pense que c'est bien, un peu comme Sirigu, Cech numéro 2,
pas s'en plaindre. Peut-être que j'aurais, peut-être à sa place, j'aurais essayé de jouer quelque part, tu vois. Mais bon, quand t'es bien à Chelsea, quoi, numéro 2, il va y avoir beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions. Mourinho a du respect pour les deux. Voilà, mais Courtois, c'est aussi très, très, très fort. À un moment donné, il faut savoir accepter qu'il y a meilleur que toi. Que l'évolution, t'es un vieux tigre et il y a le jeune tigre qui vient de bouffer, quoi. C'est comme ça. Bravo Ter Stegen au Barça. Pareil, encore une situation plus similaire. Mais avec de nouveau. Mais là, c'est... Ouais, les deux... en plus, c'est... C'est bravo, il me semble. Ouais, c'est bravo. Et qu'il a sur 3 matchs et après 0 but sur ces 3 derniers matchs. Non, mais parce que c'est un super gardien, il a fait une Coupe du Monde. Très bonne Coupe du Monde. Voilà, ouais. Pas très grand en plus, tu vois, qui revient. Ouais, sud-américain, comme tu disais tout à l'heure. Voilà, tu vois, l'école sud-américaine, c'est une bonne école de gardien. Et là, pareil, il faudrait pas se créer. En plus, d'entrée de jeu, il avait fait une grosse, grosse boulette. Mais bon, maintenant, après, dans des. Après, dans les clubs comme ça, t'es obligé d'avoir deux grands gardiens, mais si c'est bien hiérarchisé, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime pas quand j'entends numéro 1 bis. Déjà, quand tu sais qu'il y a numéro 1 bis, c'est que des gens vont être en numéro 1. Je sais de quoi je parle. C'est un peu bancal. Ouais, je vois. Alors là, on garde le meilleur pour la fin. Ruffier, Lloris en équipe de France. Alors là, je vais me faire des ennemis. Écoute, ici t'es une tribune libre pour gardien. Moi, j'ai toujours dit. Moi, Stéphane Ruffier, c'est le gardien le plus fort avec qui j'ai travaillé. J'ai beaucoup de respect pour Hugo Lloris quand il était le gardien de Lyon et tout. Mais je l'ai dit il y a 3 ans, je l'ai dit l'année dernière, je l'ai dit avant le match du Paris Saint-Germain. Et tout. Stéphane Ruffier, pour moi, le numéro 1 français. Alors, je vais me faire des ennemis encore, mais moi je dis ce que je pense. Je suis pas un faux cul, il m'a pris la place. Je l'ai vu arriver, je me suis dit, bon, allez, j'ai dernier challenge. Puis après, on s'est constaté, le gars est plus fort. Il est plus fort. Mais ce qui lui manque, par contre, c'est la Ligue des Champions. Hugo Lloris a été extraordinaire dans des matchs de Ligue des Champions. Il déçoit rarement en équipe de France. J'adore Steve Mandanda. Mais Ruffier, faudra le voir en Ligue des Champions. Et quand il aura accumulé beaucoup d'expérience et tout, ça peut faire mal. Après, il y en a un aussi que je vois un dangereux concurrent, c'est Costil. Moi, je l'ai vu jouer la dernière fois. Il revient très très en forme. Très en forme. Festival aérien. Costaud, je pense qu'avec Lloris, Mandanda, Ruffier et Costil, on a 4 très très grands gardiens. Après, voilà, c'est aussi mon cœur de supporter stéphanois. Donc j'aimerais bien que le gardien de Saint-Etienne soit le gardien de l'équipe de France, tu vois. Mais est-ce que je suis forcément objectif? Mais pour avoir travaillé avec Stéphane, c'est Costaud. En tout cas, nous, chez Keeper Spirit, pour moi, c'est le meilleur gardien français. Moi, je l'ai mis. Ce que j'ai pris sur Twitter, pas. Oui. Mais tu sais quoi, j'aime bien. Moi, j'aime bien sur Twitter parce que des fois, je suis là, je vais lancer une polémique. Je vais l'avouer, j'en avais rien à foutre du problème de Bielsa, tu vois. Ouais. J'ai bon, allez. Tu vas me faire plaisir. J'ai un petit caillou dans la mare et je pars de voir. Il a pas le droit de faire ça. De toute façon, il est nul et tout, tu vois. J'ai fait, tu vois, le mec de là, et là, qu'est-ce que j'ai pris? Mais moi, je rigolais tout seul. J'avais dit, tu vas voir, ça va partir en live, tu vois. Moi, c'est un gamin, tu vois, mais ouais, ça fait plaisir. D'ailleurs, notre partenaire qui ont fait pour les tests de gants, il avait relayé, il avait mentionné justement dans un article, justement, ce que pense à une méthode radicale. Il y avait des sites qui avaient relayé ça, on l'avait vu d'ailleurs. Mais des fois, je suis surpris parce que... Enfin, faut que je fasse gaffe, mais je suis spontané, je suis pas un calculateur. Quand je fais un truc, tu vois, c'est souvent pour rigoler ou quoi. Mais faut que je fasse gaffe au compte, parce que des fois c'est repris, tout ça. Des fois je mets des conneries sur Twitter, et c'est vite, vite repris, tu vois. Mais faut bien lire mes tweets précédents pour comprendre l'esprit, quoi. Faut remonter dans l'historique du feed, en voilà, fait. Voilà, exactement. Pour toi, le meilleur des meilleurs de tous les temps,
Il y en a un, si tu veux en citer un, le titan des titans. Le gardien ? Ouais. T'en as un seul. Barthez. Barthez. Tout gagné. Précurseur. Pas de pression. Décisif. Il a été la montre en Angleterre. Après, ça s'est un peu mal passé, tu vois. Mais sa première année en Angleterre, je me suis dit, putain, il va tout faire changer les mentalités. Après, bon, ça arrive. Hein. Il est revenu à Marseille. L'équipe de France, champion du monde, champion d'Europe, champion d'Europe, la Ligue des champions. Des champions du monde. Voilà, donc non, le top. Il y a des grands... Par exemple, Schmeichel aussi. J'adorais Schmeichel, tu vois. Moi aussi. Le pauvre était suisse. Tu vois. Danois. 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 Je confonds. Danois. Voilà, Danemark, Danemark. Tu confonds avec Chilavert. Non. Ouais, t'es pas suisse, non. Ouais. Sans plus, en plus Casper aussi. Tu vois, ouais. T'en es jeune. Non, mais... ouais, Barthez. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Barthez. Ouais, d'accord. En Ligue 1, c'est qui le meilleur, concrètement? Enyama. Enyama. Devant Ruffier? Devant Sirigu? Ouais. D'accord. Enyama. D'accord. Et je vais vous raconter une anecdote quand j'ai joué contre lui. D'ailleurs, il y a son maillot au 42 là-bas. Tel Aviv en Coupe d'Europe. J'ai cru qu'il allait nous éliminer à lui tout seul. Un mur? Je dis tout, il sort celui-là. Tout, il sort. Je vois, en plus j'étais content, je suis pas très grand et tout. Oh là, ça faisait le carnaval. En plus, je le voyais gros comme maison. Tu dis, on va prendre un but de merde. L'autre, il est en train de faire le festival là-bas. Et on est passé. Puis après, il y avait eu un France-Nigéria, je crois, Guichard. Il avait été exceptionnel déjà. La Coupe du Monde 2010. Et là, ce qu'il réalise avec Lille, c'est incroyable. Hein. Incroyable. Tous les matchs, il fait des arrêts extraordinaires. Je me souviens, le match contre l'OM l'année dernière, oh là là, un mur. Un mur, Marseille pouvait rester essayer 500 fois, je pense. Non, ils n'auraient jamais marqué. Il est au top, franchement, il est au top. Après, on a des bons gardiens, tu vois, Ruffier, Costil, Sirigu. Quand j'entends, quand je dis c'est le meilleur, c'est pas je dénigre les autres. Hein. C'est, il a le truc en ça, plus. Ça tutoie ouais. L'excellence, mais. Ça joue à des détails. Voilà. D'accord. J'estime. Tu vois, Sirigu, PSG, si le PSG est le champion, là, le match qu'ils font à Rennes, là, c'est Sirigu, il est décisif. Tu peux pas être champion si t'as pas un grand gardien, que tu sois le PSG ou quoi. Donc s'ils sont champions, c'est parce que Sirigu fait le taf aussi. Mais j'estime que les points qu'Enyama rapporte plus de points à Lille, tu vois, que Sirigu au PSG. Tu vois ce que je veux dire? Et les jeunes en Ligue 1, de toute façon, j'ai cité des noms, Zachary Boucher par exemple, Alphonse Areola. C'est pour toi, c'est qui le meilleur chez les jeunes et qui est le plus prometteur chez les jeunes français évoluant en Ligue 1 ou ailleurs d'ailleurs? Pour l'instant, c'est Areola avec Boucher, Zachary. Il y a le petit Nardi qui fait beaucoup de bruit en Ligue 2. Et moi, quand j'avais été au Mans, j'ai travaillé avec le petit Quentin Bernardo. Pas très grand et tout. Premier spécifique, j'arrive. Je fais spécifique. Dans ma tête, ils m'ont pris pourquoi? Gamin est à la hauteur. Franchement, je l'aurais lancé, même 18 ans, tu vois, peut-être, parce que le groupe était jeune, tu vois, ils avaient besoin d'expérience et tout. Mais je suis vraiment déçu pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais voir enchaîner les matchs en pro. Il a tout. Déçu parce qu'il n'a pas su évoluer, ou déçu aussi parce qu'au moins, pour toi moins, comme pour lui, vois, ça a nous, parti bah, nous, au moins, on a subi un truc, tous perdants, des coups de bilan. Ouais. Tu perds ton contrat pro, bon, moi ça m'arrive à 36 ans. Si ça m'avait dégoûté, tu vois, la façon dont les dirigeants se sont comportés à la fin. En disant oui, ça va s'arranger, on va arranger les choses. On s'occupe de tout et au final c'était de la flûte. Et voilà, en fait, ça coulait. Juste pour gagner du temps, tu vois, c'était une bataille perdue d'avance. Donc moi j'avais déjà dans ma tête décidé d'arrêter, j'avais des essais à faire aux États-Unis, je suis même pas allé. À Major League Soccer, ouais. Tu vois, je suis même pas allé, tu vois, j'ai perdu le feu, tu vois. Et moi encore, j'ai 36 ans, mais quand je vois des gamins connus, un potentiel, mais
extraordinaire, et qui aujourd'hui a dû partir à Nancy, parce qu'il y avait Paul Nardi déjà, il y avait Damien Grégorini aussi, ils ont Ndaya Sembe toujours. Déjà, je me dis, bon, il y a des clubs quand même, ils auraient pu s'intéresser à lui, le prendre. Est-ce que lui aussi, il paye sa taille moyenne, tu vois, je sais pas, ils sont tellement dans leur délire Golgoth. Beaucoup en font les frais. Hein, ouais. Mais je te promets, c'est un super gardien, c'est un super gardien. C'est vraiment dommage de pas qu'il ait pas sa chance. J'espère pour lui qu'il va l'avoir bien. Alors Jérémy, on va parler du matériel, parce qu'il faut savoir que le matériel, le gardien en a besoin. Les gants, c'est la prolongement des. C'est une seconde peau, c'est le prolongement des mains du gardien. C'est aussi un outil indispensable, le matériel pour le gardien. Alors, question de base, hein, on s'était posé avec Nico, c'est quelle a été ta première paire de gants? Alors tu peux citer la marque, le modèle. Je crois que c'était pas une marque. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était des gants en soie fin. Avec des petits scratchs rouges, tu sais. Il y avait juste la paume et les doigts comme ça, tu sais. Je me souviens, il coûtait 29 francs. Tu vois, c'était, j'ai eu ça. Et après, j'ai eu une paire de gants Rush, tu sais. Ma mère, elle avait acheté pour Noël. Puis après, j'ai tout le temps été au sport, tu vois. Sauf au début de ma carrière, pendant un an ou deux, parce que je connaissais le représentant, j'étais avec Rush. Puis après, lui, il est parti. Et je suis devenu ami avec le représentant de U-Sport. Et toute ma carrière, j'ai joué en U-Sport et je suis un U-Sport addict. Après, ils ont vachement joué avec moi, ils m'ont fait des gants sur mesure et tout. Puis c'est vraiment des spécialistes du poste, quoi. C'est les meilleurs. Il n'y a pas Nike et Adidas, ils font des bonnes paires de gants, mais U-Sport, c'est U-Sport. Tu vois, U-Sport et tout. Quand le gardien, ce que Porsche est à la voiture. D'accord. Valeur sûre. D'accord. Pourtant, j'ai pas de Porsche. Hein. On en avait vu une sur le parking, on pensait que c'était la tienne. Non, moi. C'est vrai en plus. Hein. D'ailleurs. Je voulais en Citroën, moi. Tu verras. T'as pas vu Club 42, c'est la même. Ah, si, je l'ai vu. Ah là là. Je l'ai vu. Waouh, prendre une photo souvenir alors. Voilà. La voiture. Et alors, vu que tu étais chez U-Sport, donc au cours de ta carrière, tu as utilisé des gants, ce qu'on appelle des gants SMU sur mesure. Tu leur demandais quoi, U-Sport? Couture négative tout le temps. Je voulais de l'aquasoft, couture négative. Mousse aquasoft. Voilà. Pourquoi de l'aquasoft? Parce que s'il pleuvait pas, on arrosait les terrains. Donc, très très rarement dans ma vie, j'ai joué sur un terrain. Si, putain, le truc, écoute bien, c'est un truc de malade. U-Sport me disent, ouais, ils vont sortir des gants secs, tu sais. Donc, on va à Bordeaux, je faisais un cagnard avec Santé. Je dis, ouais, je vais mettre les gants secs, tu vois. Je fais toi et tout. Je les mets, pas de superstition, moi, j'enlève le truc, je les mets, tout ça. Putain, il se met à pleuvoir, un orage, tu vois. Je dis, oh là là, je me souviens parce que c'est le jour où ils font, si t'es sympa. Et là, il se met le coup, puis il frappe. Je me dis, putain, je suis sûr que tu vas faire une savonnette. Putain, j'ai pas fini de finir mon truc. Je fais qu'il met une frappe, je fais une savonnette. Et derrière. Ça n'avait rien à voir avec les gants, tu vois. Et après, dans ma tête, je dis, ben voilà, tu mets pas d'aquasoft, voilà, tu relâches le ballon. Tu sais, je m'étais trouvé un truc, mais bon, c'est pas. Ça n'avait rien à voir. J'ai fait la faute de main et je fais la faute de main, tu vois. Mais tout le temps, ouais, de l'aquasoft, couture négative. Et à l'époque, je leur disais tout le temps, je veux comme des gants de BMX. Tu sais, des gants très près, limite, des gants de motard, tu vois. Je voulais pas le long truc avec les poignets. J'ai tout le temps eu des poignets courts, tu vois. Voilà, c'était là où je me sentais vraiment, vraiment à l'aise. Après, ils me mettaient le tatouage à l'intérieur avec le prénom de mes enfants et tout. Non, c'était top. J'ai eu des délires avec les gants. C'était top avec le sport. D'ailleurs, moi, j'ai pu en profiter. Ils ont fait une série commercialisée. Une signature série, on pourrait dire comme ça, avec ton gant, un Chimera, il était bleu, ils avaient sorti deux versions, ouais, avec ton bleu ou noir et rose. Tatouage, voilà, moi j'avais la version haut de gamme en aquasoft et, ouais. Et c'est vrai que c'était des bons gants que je regrette, que je recherche désespérément, qui sont très très durs à trouver, mais c'est vrai que c'était vraiment des très 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 bons gants. En tout cas, moi ouais, j'appréciais beaucoup Nico, il a pas eu l'occasion de Non, moi je pense pas, c'est pas ma cam. Voilà. Oula, pas de copain.
Alors concernant les crampons, qu'est-ce que tu préférais? Alors j'embraye là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gardiens qui n'aiment pas les crampons à lamelles par exemple parce que ça fait mal aux articulations. Donc voilà, si toi aussi tu n'aimais pas les crampons à lamelles, quels sont tes crampons en fait? Au début j'avais des Line 7 Giroux. Après en arrivant ici au centre c'est des Puma King. Puis après j'ai toujours été Adidas. Voilà, en crampons. Et de la World Cup, de la Copa, puis après les dernières, la F50, non ça? Ouais. Moi je vois, franchement. Ouais. Mais au niveau de la forme des crampons, t'as. Oh, par contre, moi j'avais des ch'tucs. Moi je. Ouais. C'était 18, 16, 16. Ouais. D'accord. Entraînement pareil. Ouais. L'été, je me cassais. L'été, stage, jamais de huissier. Jamais de moulé. Huissier. Je me cassais les pieds, mais j'étais toujours en huissier. Toujours en huissier. Alors, je suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais c'est le truc à l'ancienne, quoi. Je bête et méchant, quoi. Voilà, moi, gardien de but, c'est huissier, j'ai pas le droit de glisser. Donc, je m'étais huissier. J'ai eu un stage de préparation. Une fois, j'avais le temps de ma chine, ça sifflait. Concernant bah, pareil, je pense la tenue. Alors, manche courte ou manche longue? Manche longue. Parce que si tu te fais une pizza, tout le temps je me disais, quand je vois des gardiens qui s'entraînent en Bermuda ou quoi, je leur dis tout le temps, les gars, si vous faites une pizza à l'entraînement et qu'ensuite vous devez répéter des sorties dans les pieds ou autre, vous allez dénaturer votre plongeon parce que vous allez vous protéger. Et c'est normal parce que quand vous avez une pizza, vous n'allez pas faire le bon geste et donc vous allez dénaturer votre plongeon et vous allez prendre de mauvaises habitudes qui après peuvent se répercuter en match. Donc moi, mes gardiens, c'est pantalon, manche longue. Quel que soit le truc. Parce que la pizza, c'est ce qu'il y a de pire, parce qu'une pizza, ça dure 4 semaines. Tu vois, c'est super long à guérir. Bon, déjà même quand t'es en manche longue, des fois. Moi, ça m'est arrivé des fois en manche courte, tu vois. Délire avant le match, je sais même pas pourquoi je l'ai coupé, tu vois. Et voilà, comme ça, ou parce que des fois il mettait des coups de gerre, tu sais, de là à là, tu disais attends. Le grand fort en mousse, hein, ouais, faut pas jouer avec ça. Tu disais, s'il pleut, ton bras il va faire 5 kilos, tu vois. C'est ton texte. Ouais, voilà, tu vois. Donc je l'ai coupé, mais non. Les gardiens, après, je te dis, c'est surtout pour un aspect, si tu te fais des pizzas ou quoi, tu vas dénaturer ton plongeon après. Tu vas mal travailler sur la séance parce que tu vas pas vouloir plonger d'un côté ou tu vas mal plonger et après ça aura des répercussions plus tard. Short ou pantalon? Ça dépend s'il fait froid ou... Il y a des gardiens, il fait froid, ils sont tout le temps en short. Ouais, moi après, j'ai joué tout le temps avec une combinaison. Tu sais, combinaison de surfeur, la tribord. Ils en font plus maintenant, putain, je suis dégoûté. Toute ma carrière, je mettais ça. C'était... Combinaison des quatre ans. Voilà, tu vois. Ouais. Une seule, tu vois, c'est une combinaison de surf. Ouais. Par grand froid, je crois Guichard, elle m'a souvent. Et là, il y a la marque Skin. Et je la conseille à tous les gardiens. Ils font une. Elle est un peu chère, mais ils font une combinaison d'hiver, tu sais, une vraie combinaison, ouais. Tu vois. Tu la mets de là à là, par contre, t'as super chaud. Et quand tu t'entraînes par grand froid, c'est le top. Franchement, c'est le top. On va rester sur la tenue. T'as des équipementiers à l'époque, du haring qui t'a malheureusement qui t'a permis d'avoir des tenues, on va pas dire excentriques des fois, faut le dire, hein, les tenues écossaises, les tenues tigrées, les tenues camouflage style commando marines guerre du golf. C'est toi qui leur a demandé des tenues particulières ou c'est eux qui sont venus vers toi te les proposer? J'avais des délires. Des fois, c'était eux, ils me disaient, ouais, t'oserais pas faire ça. Surtout le truc, quand tu me dis, t'oses pas faire ça, je sais pas ce que ça déclenche en moi, c'est sûr que je vais le faire. Tu vois. Comme, ouais, t'oserais pas mettre Spider-Man. Et moi, je dis, mais moi, j'oserais. Par contre, il me faut la cagoule. Parce que dans ma tête, je dis, ouais, ils feront jamais la cagoule. Et la veille de match, ils me disent, ouais, putain, Jérémy, on n'a pas la cagoule. Je dis, vous êtes des grandes gueules, les gars. Moi, je vais vous donner la cagoule, jamais. Quand on arrive, à 18h, je vois la cagoule posée sur lui. Les gars ils me disent, on va voir c'est qui la grande gueule. Donc par contre, je vais voir ça. Toujours par respect, tu sais, il y avait Istres, on joue Istres, et Istres descend en Ligue 2.
Et je voulais pas que ce soit interprété de je me moque de tout. Donc je vais voir Sébastien Pérez, avec qui j'ai joué à Saint-Pétri. Je lui dis, écoute, Pérez, on va jouer ce soir, ils m'ont fait une tenue Spider-Man, je vais mettre le masque. C'est surtout pas pour vous chambre ou quoi. Par contre, si vous estimez que c'est trop et que c'est un manque de respect, je le fais pas. Voilà, il me dit, mais vas-y, fais-toi plaisir et tout. Donc je mets la calcule là et tout. Et après je la mets, je fais, tu sais, je vais sur Geoffroy, je fais ça. Sauf que je vois pas, tu vois. Je vois pas que la cagoule, je dis putain, si je me prends le poteau, tu imagines, toi, tu fais le délire, t'es comme ça. Et, parce que moi au début je voulais me sauter à la barre, m'accrocher, mais je voyais rien. Donc, c'est pour ça que j'enlève la cagoule. Et on n'avait pas pensé, tu vois, à ce truc comme ça, tu vois. Et c'est ma femme. Ouais, je sais, je bosse, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Et donc, si je me dis, si je saute et que je me cogne, attends, laisse tomber, je passe pour un blaireau, tu vois. Ouais. Mais j'ai kiffé. Et si tu veux, c'était pas dans le calcul. Parce que si tu calcules, tu es spontané. Mais oui, parce que si tu fais ça, et que derrière, tu fais une boulette, mais tu passes pour le roi des cons, donc tu le fais pas. Mais c'était spontané, ça avait créé quelque chose dans notre groupe. Tu vois, mes joueurs, Vincent Lenon qui me dit, mets le maillot viringue. Après, on avait fait du paintball, le maillot militaire, les mecs qui me disent, t'oserais pas rentrer avec le maillot du Stade français à Marseille. Tu vois, c'est avec Adidas. Voilà, ouais, tu vois. Ça, c'était après, tu vois. Après. Là, à Toulouse, j'avais mis un maillot en hommage au Stade toulousain. Tu vois. Non, j'avais adoré cette période. Les mecs de Duary jouaient le jeu. Et j'en profite pour rendre un petit hommage à Lionel Fauria qui nous a quittés il n'y a pas très très longtemps. C'était grâce à lui, un ancien gardien qui se sent entraîné, qui est parti suite à une longue maladie. Je voudrais faire un bisou à ses proches et faire en sorte que si ça a si bien marché, il en est l'un des grands responsables. Spider-Man, ben, ça te colle à la peau maintenant. Ouais. Ça fait le tour du monde. Hein. Ouais, ouais. Il y a des gardiens, je vois, tu peux regarder sur les je sais pas si t'as curiosité un jour, t'as tapé ton nom par exemple sur YouTube, sur une plateforme de vidéo comme YouTube, c'est t'es Spider-Man pour tout le monde, ouais. Que ce soit dans l'Hexagone ou ailleurs, tu restes le gardien Spider-Man, tu sais. Et ça a vraiment marqué les gens, et toi aussi d'ailleurs, je pense. Une des plus belles anecdotes que j'ai là-dessus, c'est que moi je suis un fan de MMA, je suis un fan de Vanderlei, ou de Shogun, son élève, je vais à la shootbox. Au Brésil, à Curitiba, tu vois, et je vais m'entraîner avec eux. Je vais à la shootbox et je commence à m'entraîner avec eux et tout. Et un mec, il me regarde comme ça, tu vois. Il me dit, you're a fighter, t'es un combattant et tout. Je suis pas un combattant et tout. Il me regarde, il me fait, c'était un Brésilien, il me fait, Spider-Man. Ouais, il me fait, Vanderlei, tu vois, parce que j'avais le même tatouage que Vanderlei, tu vois. Le mec, on est à Curitiba, au Brésil, il me fait, Spider-Man. Et donc, si tu veux, il connaissait parce que Ilan, qui jouait avec moi au Brésil, il jouait avec moi à Santé, il est originaire de Curitiba aussi, la ville de Vanderlei. Mais ça m'avait choqué, tu vois, je suis dans un truc, en plus, j'étais venu, pas à l'improviste, mais comme ça, tu vois, juste pour m'entraîner avec Vanderlei, le mec. La première chose qu'il m'a dit, c'est Spider-Man, tu vois. Parce que comme il pensait que j'étais un combattant au début, tu sais, j'étais fin à l'époque. J'arrive et avec que des Golgoths et tout, le mec, n'importe quoi, lui, il va se faire massacrer, quoi. Et comme j'étais venu juste pour m'entraîner et tout ça, et le gars qui me dit, Spider-Man, ça m'avait. Et c'est vrai, même avec mon fils et tout, même souvent ici des gamins, les parents ils disent, ouais, lui, c'est l'ancien gardien de santé, c'est Spider-Man. Ah, c'est lui là, Camille, tu vois. C'est génial. Tu vois, c'est beau. C'est génial. C'est beau, et d'ailleurs, je pense que quand j'ai fait ça, le premier Spider-Man, il allait sortir au cinéma. Ouais. Et on avait une crainte avec Lionel. Avec Marvel. Qui nous attaque. Que Marvel Comics t'attaque carrément. Vraiment, on s'est dit, après coup, putain. Ah, ça leur a fait une pub extraordinaire au final. Justement, je pense que le plus beau cadeau qu'ils nous aient fait, c'est le fait de ne pas nous attaquer. C'est vraiment de nous montrer qu'au contraire, putain, on aura bien. Il y a eu un feedback d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à Marvel Comics ou quoi, qui t'a contacté ou quoi un jour, même pas. Non, même pas. J'en ai eu, je me rappelle.
Non mais tu vois, ça a été. Tu vois, c'est un bon signe, quoi, tu vois. On arrive au terme de cet entretien. Tu connaissais Keeper Spirit? Ouais. Ouais, t'as regardé un peu nos vidéos? Ouais, exactement. Une qui m'avait beaucoup touché. Parce que j'ai jamais recherché la reconnaissance médiatique. J'ai refusé des postes de consultant à la télé. Parce que je passe mes diplômes, que bientôt je vais bosser pour l'Euro 2016 sur Saint-Etienne. Jamais cherché à être connu. Mais par contre, le fait que je sois reconnu par les gardiens, c'est la plus belle des récompenses. Et quand j'ai entendu votre interview avec Thomas Obic, avec Thomas, et quand il a parlé, putain, j'en avais des frissons. Je l'ai montré à ma mère, tu vois. Je lui ai dit, tu vois, ça c'est pas le. J'en ai rien à foutre que ça passe à Bein ou à Canal, tu vois. Mais ce que ce gars-là il dit sur moi, c'est la plus belle des récompenses, tu vois. Toucher un gamin, tu vois, qui dit, ouais, il parle de Barthez, tout ça, il parle de moi, tu vois. Le fait de m'associer à ces noms-là, ça me fait plaisir, tu vois. J'arrive à Villars, j'entraîne, on est 11 au départ, j'ai aujourd'hui 44 gamins, donc j'ai de faire deux équipes. Je fais les anniversaires avec les gosses, je les mets dans le but, tu vois. C'est ça qui... J'ai pas joué au football pour être connu ou une rockstar, tu vois. Mais parce que j'aimais ça, et le fait aujourd'hui que les gens me considèrent, enfin, je suis plus grand, j'ai pas le boulard, mais je suis un bon gardien malgré le fait que je sois le plus petit. Parce que l'avantage que j'ai aussi à Saint-Etienne, c'est que les gens à Saint-Etienne, c'est des spécialistes du poste de gardien. Il y a tout le temps eu des bons gardiens. Turkovic, Castaneda, Carnu, excusez-moi tous ceux que j'oublie, Grégory Coupé, encore pardon à tous ceux que j'oublie, Jérôme Alonso. Et le fait que moi il m'ait aimé, c'est une autre marque de. Tu vois, parce que quand t'es une truffe à Saint-Etienne, t'inquiète pas, Geoffroy Guichard te le fera savoir. Cop-Nord et. Tu vois, les mecs ils savent ce que c'est quand même l'argent. Ils en ont vu depuis Vitam Eterna. Et le fait qu'il m'ait accepté et qu'il m'ait aimé, c'est pour moi la plus belle des récompenses. Je cherche pas moi à être tous les soirs à la télé ou quoi que ce soit. Des fois, les gens sont surpris de me voir ici. Je leur dis, bah, écoutez, c'est à moi. Je suis obligé des fois de mettre la main à la pâte. C'est comme ça. Hein. Pas d'ego, pas de problème d'ego. Quoi, tu vois. J'ai eu une vie plus belle que je l'aurais imaginée. Grâce au football, grâce au poste de gardien de but. Qu'est-ce que je veux de plus? Si, ça me fait rire, tu vois. Quand on me dit, ouais. Mais t'as jamais été en équipe de France. Mais grand, fais déjà ce que j'ai fait avant de me dire que. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. J'y suis pas allé. Mais quand j'étais en Ligue 1, il y avait Barthez, il y avait Coupé, il y avait Bernard Lama, il y avait Ulrich Ramé, il y avait Lionel Letizy, il y avait Mickaël Landreau, il y avait Sébastien Frey, il y avait Teddy Richer. Et pour y aller en équipe de France. Fallait y aller, hein. C'était pas. T'as vu les gardiens que je t'ai cités, c'était que des mecs au top. Rien que le fait d'avoir existé, de coexister avec ces mecs-là, c'est une récompense ultime pour moi. Un mec comme Teddy Richer, c'était un gardien monumental, tu vois. Tu vois, c'est le fait de ne pas avoir été international avec la génération de gardiens qui était là. Et quand. Je commence à vieillir, t'as Mandanda, Loris, qui arrive, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas. Mais c'est un peu cette mentalité, tu vois, de tout le temps critiquer ou quoi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le truc, c'est que j'aurais jamais fait l'unanimité. Tu vois, voilà,
c'est comme ça. Tu peux pas le faire non plus, tu vois. Bien sûr. Mais je te dis, ce truc que j'ai pas compris, c'est que qu'on m'a reproché mes défauts à mes débuts, tu vois. Alors, je pensais avoir prouvé que finalement, il s'était trompé, tu vois. Et plutôt que de dire, bon, ok, c'est vrai, on a émis des critères, mais il y a un petit qui a quand même fait. Non, c'est comme si c'était bizarre, je sais pas. Est-ce que c'est un problème d'ego? Est-ce qu'il refuse d'admettre? Voilà, ou quand j'entends, ouais, que les gardes, c'est fini maintenant, les petits gardiens, je sais pas, laissons voir, on verra. Si t'as un petit qui émerge et qui est top, ouais. Après, si t'as meilleur d'un mètre 95, c'est pas grave. Mais on va pas refaire une vidéo, sinon on est reparti. Vraiment, le mot de la fin, si t'avais un truc à dire, un mot à dire, une phrase à dire aux 1700 abonnés de la chaîne YouTube qui sont 1700 gardiens. 1700 gardiens. Ce que j'ai envie de vous dire, les gars, c'est travailler, répétez vos gammes. Il faut avoir une bonne dose de confiance en soi quand on est gardien, mais aussi de l'humilité, savoir reconnaître quand on n'a pas été bon, tout ça, mais il faut bosser, répéter ses gammes comme un pianiste. Et surtout, ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Personne. Tout est possible. Si moi, 1m73, j'ai pu faire 420 matchs en pro, pourquoi toi, gamin de 15 ans, qui fait 1m70, tu n'y arriveras pas? Pourquoi? T'as deux bras, deux jambes comme moi? Voilà. Les gars, vivez à fond votre rêve. Il faut qu'il n'y ait personne qui puisse vous enlever. Ça va être dur, ça va être compliqué, mais rien n'est facile dans la vie. Si Jean-Luc Ettori l'a fait, si moi je l'ai fait, s'il y a Cyril Merville qui joue encore en Ligue 2, qui va bientôt faire 500 matchs, voilà. Pourquoi tu le ferais pas? Donc, accroche-toi, ça va pas être simple, mais je croise les doigts pour vous. À bientôt et merci. Jamais couler, n'oubliez jamais ça, jamais couler.